Les populations des villages impactés par les travaux d'exploitation de la mine ont reçu plusieurs projets réalisés par la mine d'or de Tongon. Grâce à sa direction du social et des relations communautaires dirigée par Oumar Ngom, corps préfectoral et cadre de l'administration du département de Mbeng étaient présents. La société de mine de Tongon, filiale de Barrick, est implantée depuis plus d'une décennie dans la sous-préfecture de Mbengue et a toujours mis un point d'honneur dans le cadre de sa responsabilité sociale et sociétale à améliorer le mode de vie et le bien-être des populations environnantes. Par son département chargé du social et des relations communautaires, elle a engagé une dizaine de milliards de francs CFA au bénéfice de ses populations. Ces fonds ont servi à améliorer considérablement les secteurs de l'éducation, de la santé et à réaliser l'adduction en eau potable, de même que les infrastructures pour le bien-être de toutes les couches sociales dans la région. Oui, chose promise, chose due, le dirigeant de la mine d'or de Tongon est du genre à joindre l'acte à la parole. C'est avec une maison de 5 pièces, avec eau et électricité d'une valeur de 27 millions de francs CFA, que l'entreprise minière a débuté sa série d'actions sociales. Un toit qu'elle a remis officiellement au chef du village de Nafou. Vraiment, ce que Tongon a fait pour moi aujourd'hui, vraiment, je suis satisfait. Parfaitement satisfait. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je prie Dieu, ce qui s'est passé, qu'on ait encore un autre projet qui dépasse ça encore. Un peu plus tard, direction le village de Kofiplé. Ici, ce sont plusieurs infrastructures socio-économiques qui ont été offertes aux populations. Il s'agit d'un collège moderne, d'un foyer des jeunes, d'un marché rural et d'une unité de soudure. Un ensemble de gestes salués par les autorités préfectorales de la région. Et je m'adresse à la notabilité, à la chefferie, à nos mamans, aux populations de Boumbé, au cadre aussi. Le président en train de construire les infrastructures. Il amène les Ivoiriens à contribuer. En termes d'action sociale, Tongon SA ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Un bâtiment flambant neuf d'une valeur de 70 millions de francs CFA qui fera office de centre intégré a été offert au village de Boumbé. La motivation de la construction de ce centre intégré est très simple. C'est-à-dire, nous sommes une entreprise locale. Nous disons comme ça, c'est notre communauté. Donc, cette communauté, nous nous sentons obligés aujourd'hui de nous engager, c'est-à-dire au développement de la communauté. Ces actions de la mine d'or de Tongon sont quelques-unes parmi tant d'autres réalisées dans la localité. Des réhabilitations de lycées et collèges, des dons de machines agricoles ont aussi été enregistrés. C'est un total de plus de 10 milliards de francs CFA qui ont été investis au bénéfice des populations.